Hey, bonjour le monde, c'est Ruin et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Octopath Traveler où nous allons continuer notre petite histoire avec Anit, notre chasseuse attitrée. Donc rappelez-vous, on a découvert, un monticule de cadavres qui s'est fait dépecer et démembrer par une certaine bête, entre guillemets, œil sanguignolant je crois, ou rougeâtre, enfin un truc dans le genre. Donc notre but aujourd'hui, c'est d'avancer un petit peu la quête, gagner des niveaux, gagner en puissance, utiliser le haut pour booster à paroxysme la puissance de notre très chère Anit, et surtout de retrouver la bête, hein, c'est le plus important. Hop là, donc je vais aller au nord récupérer ce coffre. Un raisin curatif. Je peux passer par là? Non. Donc c'était juste pour récupérer ça, c'est parfait. Avec la petite lumière. Ouh! Une hyène. Alors attends, ça craint la flèche? Oui, ça craint les flèches. Est-ce que ça craint les haches? Non, ça craint les flèches. Oh shit. Connaissance des bêtes, capture. Putain, je tente. Ah, quoi, attends. Fais voir. Chance de réussite 100%. Non. Non, non, non. Appel de la bête. On va demander renard des forêts. Ah, c'est un renard des forêts, d'accord. Je peux encore me booster un petit peu. Je vais demander à Lindé de lui mettre. Bon, ok. Un petit peu d'XP, voilà, niveau 4. Impeccable. Objet obtenu, non, rien. Donc on obtient un petit niveau, ce qui fait relativement plaisir. Alors excusez-moi, oui, non, tout se passe bien. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alors, on peut aller au nord, c'est là où il y a la quête. Mais j'ai envie un petit peu de fouiller, parce que dans un jeu de rôle, il faut fouiller quand même relativement convenablement. On a un putain de Skaven à l'attaque, c'est pas faible. Joli. Ah, il attaque deux fois là. Et c'est faible à la hache. Connaissance des bêtes, je demande à Lindé. Pas faible. Tire deux flèches. Allez, cette fois-ci, je peux le capturer lui? Rat des forêts, multi-attaque. Non. Ouais, c'est pas un jeu de Pokémon quand même là. Renard des forêts, vas-y. Ok, donc il ne craint que la hache. Ah, il m'a endormi. Ok. Donc je sais que le gorinet peut me soigner. Et maintenant... Ah, je peux faire que 4 en exaltation. Bah c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai compris le principe du jeu, donc se booster à mort et mettre d'énormes coups en exaltation. Hein. Prune stimulante. Je sais même pas à quoi ça sert, il va falloir que je m'y intéresse. On a un point de sauvegarde en hauteur, ça c'est intéressant. Là, on a rien. Ah, baston, un petit rat. Je vois pas pourquoi je me priverais de mes bestioles alors qu'elles font plus mal que moi. Alors attendez, j'ai une question technique, tiens. Le monstre est reparti dans la nature. D'accord, je comprends mieux. Et ben dans ce cas-là, on va te capturer mon ami. Et tu gagnes de l'XP quand même? Quand tu le captures? Oui, tu gagnes de l'XP. Intéressant. Donc en fait, les monstres, c'est comme des objets. Ils ont de la charge. Et dès que tu bouffes toutes tes charges, et ben, le monstre s'en va. C'est intéressant comme, comme principe. On a un coffre juste là. Pierre d'ombre. Faut que j'aille voir ce que c'est ça. Inventaire. Pierre d'ombre. Raisin curatif. Ouais. Rendre des pétés à un allié. Ça c'est sûrement les points. Ranime, il rend des points de vie.
Olive Vital, Herbe de Lumière, annule la terrasse, ok. Pierre d'ombre, inflige des dégâts d'ombre à tous les ennemis. Oh là 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 là. C'est très bien. Encore un rat. On vous attaque par surprise. Ah! Comment oses-tu me faire ça? Ouh là 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 là, ouais. Non, pas de capture pour toi. Par contre, je vais demander à mon Gorine Moussu de me soigner. Voilà. Je vais t'attaquer. Non. Lindé, tu fais beaucoup plus mal que moi. Alors attends, parce que là j'ai 3 points d'exaltation. Je peux mettre 4 attaques. Tu vas manger mon grave. Voilà, putain il a fait mal là. Parce qu'en fait il était assommé, c'est pour ça. Bah oui, vas-y, donne-moi. Alors vous pouvez désormais apprendre de nouvelles aptitudes. Sélectionner aptitude, puis apprendre aptitude. C'est ici que vous pouvez débloquer d'autres aptitudes. Ok, bah je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça de suite. Aptitude. Apprendre des aptitudes. Apprenez diverses aptitudes pour prendre le dessus sur vos ennemis. Utilisez les PC gagnés en combat pour apprendre de nouvelles aptitudes. Vous pouvez apprendre des aptitudes dans n'importe quel ordre, mais réfléchissez bien avant de faire votre choix. Car vous devez dépenser un nombre croissant de points de classe PC pour chaque nouvelle aptitude. D'accord. Oiseau de foudre. Alors, plus de flèches. J'ai déjà appris plus de flèches et tir infaillible. Affiche dégâts critiques, ok. Affiche déjà portant des dégâts de foudre à un ennemi. Piège immobilisant. L'ennemi touché agira en dernier pendant 2 tours. Coup de grâce. Lance une attaque physique qui ne peut pas tuer l'ennemi mais réduit ses points de vie à 1. Ça c'est bien pour les... comment dire. Pour les capturer. Déluge de flèches. Attaque tous les ennemis de 5 à 8 fois à l'arc. C'est bien ça. Ciblage. Les chances du coup critique et la précision de tous les alliés augmentent pendant 2 tours. Ouais, 2 tours c'est pas... Donc après il faut apprendre 4 aptitudes, 5 à... Ok, bon. Oiseau de foudre, ça me paraît correct. Allez, je prends. Ah, le prochain c'est 100. Oh la vache. Franchement, pour le moment c'est un sans faute. Alors je suis allé là-bas je crois. Ah non, il y a un coffre. 600$, ok, enfin 600 pièces d'or, 600 quelque chose, de Gills, vu que c'est Square Enix. Alors toi, je t'ai perdu. J'ai même pas lu s'il y avait un rose, parce que je lisais un succès à côté. Capture, 0%, ok. Il me fait quoi le rat des forêts là? Ah. Ok, donc il attaque à distance. Tiens, on va demander à Lindé d'attaquer. Pendant qu'il est assommé, ça fait mal. Comment? Toi, je pense que tu vas prendre cher. Ah, je voulais le capturer, mais quel con! C'est pas grave. C'est pas grave. Niveau 5 à Anit. Est-ce qu'on peut dire Annie aussi? Parce que c'est plus joli Annie. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, il y a un coffre là-bas. Cool. Un gilet de bronze. Oh, intéressant. Un gilet de bronze. Alors, le corps. Gilet de cuir, gilet de bronze. Ça m'augmente ma défense physique et ma défense élémentale. Bah, bien sûr, tout de suite. Tout de suite. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un Gabrodilio. À mon avis, ça crale un H, ça. Ouais, c'est faible à la H. Je découvre ses faiblesses. L'arc, c'est pas faible. Par contre, il fait mal. Et il attaque 2 fois. Non, mais c'est une blague. Faible. Il est faible à l'attaque. Ok. Bah, demande encore, attends. À la hache. Ok,
Tu dégages. Non mais oh. On gagne quelques points d'expérience. On n'est pas trop mal. Ah, j'ai même pas utilisé ma technique de foudre, tiens. Ça pourrait être sympa. Grenade tonifiante. Ça, à mon avis, c'est un truc que tu jettes sur toi. Donc, je vais me faire une autre sauvegarde. Parfait. S'il vous plaît, s'il vous faut quoi que ce soit, faites-moi signe. Ah, c'est un vendeur. Qu'est-ce que tu vends? Des raisins curatifs, des prunes stimulantes et de l'olive vitale. Je vais te prendre 5 becs raisins curatifs. Merci beaucoup. Ce qui va m'être utile. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre tout de suite. Merci beaucoup. Ah. Je pourrais tenter d'en capturer un de ça, tiens. Connaissance des bêtes. Allez, je demande à Lindé d'attaquer. Non, je fais moins mal. Hein. C'est pas la peine que j'attaque. Alors attends, aptitude de chasseur. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Donc ça, ça coûte nombre de PT. Euh, 100%, ok. Je te capture, tu es à moi. Et regarde un petit peu d'XP. Alors je vois que là-bas on va avoir des petits soucis. Donc attends, c'est ça la bête? Ou putain, c'est quoi cette merde? Oh, les petits loups, ils ont peur. Gizarma. Assez. Les pauvres toutous. Ne vous inquiétez pas, je vous protège. Je ne te crains pas, bête. J'ai raison, n'est-ce pas? On t'a chassé de ton territoire. Vaincu par une bête plus puissante, tu as pris la fuite et tu t'es retrouvé ici. Je comprends mieux. Mais en déchaînant ton chagrin et ta colère sur plus faible que toi, tu as commis un péché humain. Il en allait de ton devoir de t'adapter à la forêt, de la laisser te trouver une place. Mais au lieu de t'en accommoder, tu as voulu lui arracher le cœur et de te l'approprier. Je crois qu'il comprend pas. Tu es une intruse en ces lieux, bête. Et je me ferai l'instrument du jugement de la forêt. Oh là là, la justicière! Oh la vache! T'es sûr de toi, là? Tu peux la capturer? Indomptable. Je vais demander, tiens, à... Ah ouais, ça c'est de la lance. À mon rat des forêts de tirer. C'est une faiblesse. Aïe. Je vais demander aussi à lui là d'attaquer pour la lance. C'est pas de faiblesse. Putain, il fait mal lui aussi là. Ouch. Je vais peut-être demander à mon gourinet de me soigner. Lindé. C'est pas faible également. Le Gizarra semble prêt à riposter la moindre attaque. Ah ouais. C'est ça que tu veux? Tiens, allez, tu te calmes. Aptitude de chasseur. Inflige dégâts critiques à l'arc à un ennemi. En plus, il est affaibli. Ramasse tes dents. Ah, c'est tout? Ah, ouch. Puis de flèches. Ouais, ça l'affaiblit en plus. Donc ça, c'est bien. Oiseau de foudre. Tiens, j'ai pas essayé. Ah, il craint la foudre. Impeccable.
Aïe. Aïe. Attaque-moi! Affaibli également. Alors, je vais demander à Lindé qui va faire une grosse attaque. Voilà, 200, c'est pas mal. Par contre, il faut que je me soigne. Ouais. Mon petit Gorinet, tu pourras partir après. Le monstre est reparti dans la nature, impeccable. Pour te baisser ton putain d'armure, ramasse tes dents. Voilà. Ah ouais, bien joué. Ok. Faiblesse. Tu peux attaquer trois fois, vas-y. Il vise un masque, semble prête à respecter la moindre attaque. Adopter une posture défensive pour limiter les dégâts subis. Vous aurez... Ok, bah, tu sais quoi, je vais me mettre en défense. Encore. Jusqu'à ce qu'il attaque. C'est parfait. Aptitude, plus de flèches. Fureur et rage. Ouf, ouf, ouch. La bête se prépare à bondir. J'ai intérêt à me bouger le cul. Oh putain. Faut que je le... Voilà. Fallait que je la pose. Objet, raisin curatif. Aïe. Objet... Prune stimulante. Voilà. Aïe, on qui fait mal. Hein. Plus de flèches. Ouais. Good. C'est un sac à points de vie le truc. Affaibli. Ah bah il craint les attaques alors. Aptitude de chasseur, plus de flèches. Oh là là, putain, tu loupes un éléphant dans un placard. La bête se prépare à bondir. C'est ce que tu veux, Bibiche. Grosse attaque de Lindé. Voilà. Ah, il faut que je me soigne tout de suite. De flèche. Oui. On a gagné. Ah, 20 points d'XP quand même. Et 15 PC. Frappe de grappe de raisin curatif. Oh super. J'ai été remboursé un petit peu. Faudra que tu te calmes. Tu n'as pas perdu ta vie en vain, car ta dépouille nourrira d'autres créatures. Oh la cruauté! Tu fais désormais partie de la forêt et en elle, rien n'est gâché. Approchez mes amis, cette vie vous appartient à tous. Les animaux qui broutent l'herbe finissent par nourrir les animaux qui se repaissent de viande. Les mangeurs de viande à leur tour nourrissent ces prédateurs les plus puissants. Et quand les plus puissants d'entre tous vient à mourir, sa vie est rendue à la forêt. Sa chair alimente la terre, l'herbe, son sang devient sèche, ses os branchent. Ah, son sang devient sève, ses os branchent. Il finit par nourrir les herbivores et le cycle recommence. Maman. Ces vies entremêlent forment une tapisserie qui se tisse et se retisse jour après jour, chaque fibre indispensable à l'ensemble. Arrête de parler toute seule.
Écoute-moi, jeune fille, pour être chasseur, il faut accepter d'ôter la vie, mais nous ne le faisons que pour survivre. N'oublie jamais que tu as le devoir sacré de continuer à vivre, de poursuivre ta vie en hommage à ceux qui sont tombés sous tes flèches. Tant qu'il parle de chasse, il est la sagesse incarnée. Si seulement il ne s'intéressait à rien d'autre. La chasse est terminée. Il est temps de s'occuper des victimes. Avez-vous réussi? Sinon, je serais pas là, connard. La bête n'est plus. Ses tombes. J'ai pris la liberté de les creuser en attendant votre tour. Merci, mais je dois vous demander une chose. N'enterrez pas les animaux, laissez la forêt les reprendre. Ce sont les funérailles qui leur conviennent. Comme il vous plaira. Oh là là, mais il y a plein de poésie, dis donc. Oh tiens. Again? Tu es de retour? Oula, pourquoi tu grognes? Où est maître Zahanta? Lui est-il arrivé quelque chose? Il semble affolé et mort de peur. Tu as couru jusqu'ici, n'est-ce pas? Seul maître Zahanta a-t-il besoin de mon aide? Du calme, mon grand, tout va bien. Là, c'est bien. Maman! Maître Zahanta a des ennuis. Cela ne fait aucun doute. Je dois le rejoindre au plus vite, s'il lui arrivait quel malheur. Yagen, peux-tu me mener à lui? Il est intelligent, ce Klebs! Quoi qu'il ait pu se passer, nous le sauverons ensemble. Ouais, ça me paraît pas mal cette histoire. Hop là. Bon, écoutez mes amis, ça va être un petit épisode, mais nous allons nous arrêter là. Voilà. Hop. Moi, je trouve qu'on avance un petit peu bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, le jeu me plaît énormément. Et peut-être que ça va faire un gros let's play. On sait pas. Sur ce, je vais vous faire de très gros bisous. Et bien entendu, comme d'habitude, portez-vous bien. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, c'est Héroïne.